Si tu avais à donner les quelques langages qui aujourd'hui te semblent les plus importants, on va dire les langages de l'Internet et du web, on va dire les plus essentiels. HTML et CSS? Encore, oui, c'est toujours encore C'est le cas, oui, incontournable, il faut commencer par clairement. ça, c'est le plus facile, c'est des langages de description, donc ça s'apprend bien. Il faut commencer par ça, c'est absolument incontournable. Après, des langages, il y en a plein, et je dirais que ceux qui devraient intéresser les gens, c'est d'abord ceux où ils ont des amis qui pourraient les aider et les conseiller. Oui, tu veux dire qu'il vaut mieux choisir ceux où on peut se faire aider que ceux qui sont a priori. Parce que les gens croient qu'il y a un bon langage alors que c'est faux. Enfin, il y a des langages, il y a des garde-chapelles, mais il y a pas de. On peut tout faire avec n'importe quel langage, plus ou moins facilement, mais globalement, on peut tout faire avec n'importe quel langage. La grosse différence se fait là où les gens sont actuellement, là où mes amis sont. Mes amis pourront parler avec moi et je pourrai apprendre plus de mes amis et eux de moi que si je suis tout seul sur un langage. Est-ce que après chez HTML et CSS, j'aurais pas intérêt à avoir des amis plutôt sur JavaScript? Alors JavaScript, c'est devenu assez incontournable aujourd'hui aussi, mais toujours sur le côté front. Mais oui, on ne peut pas éviter JavaScript aujourd'hui. Front et back, on va dire PHP. Et après, en bac, je peux en citer, hein, Oui, mais oui. je n'ai pas de recommandation particulière à faire, si ce n'est prenez celui que vos amis ou vos collègues ont tendance à vous recommander, ou là où vous avez les cours qui vous intéressent. En bac, on peut faire du PHP, on peut faire du Java, on peut faire du C#.NET, on peut faire du Python, on peut faire du Ruby, on peut aussi le faire en C, en C++, et plein de langages que j'ai oubliés, mais. Sachant qu'on peut commencer par n'importe lequel de ces langages, de toute façon, la syntaxe, les objets, les variables, etc., Il y a beaucoup de etc. points communs. Il y a beaucoup de points communs. Après, ça peut être différent. Il y a certains qui sont vachement exotiques. Mais bon, une fois qu'on a appris quelques mécanismes et qu'on a quelques automatismes de l'algorithme, en fait, c'est facile de sauter d'un langage à l'autre. C'est loin d'être aussi difficile. Donc les gens ont peur de se dire, tiens, je vais dans ce langage-là et je vais tomber dans une voie bouchée parce que personne n'embauche dans ce langage. Je pense qu'il faut, c'est pas du tout la bonne façon de faire. C'est prenez celui qui vous fait plaisir ou vous pouvez être aidé. Et ensuite, regardez un peu ce qui se fait. Et si jamais vous avez besoin, ben, dévier vers un autre langage au moment où vous en avez besoin. Mais laissez-vous porter, laissez-vous guider là-dessus. On a vu aussi, j'ai vu aussi sur votre MOOC site, Open Classroom, que vous avez créé des parcours de formation. Alors ça recoupe un petit peu ce que tu expliquais tout à l'heure, mais comment tu les envisages ces parcours? Est-ce que c'est une personne qui va donner des orientations? Est-ce que comment ça se passe? Alors, ben, on essaie de faire des sortes de presets, des conseils un peu génériques. Voilà ce qu'il faudrait que vous fassiez dans un cas de figure ou dans un autre cas de figure. En fait, ce sont des parcours qui sont vers plus vers des métiers. Et donc, pour aller vers des métiers ou vers des compétences d'un métier, on crée un parcours métier qui amène d'un point A vers un point B. Mais ce sont plutôt une sorte de spécialisation. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas trop voir un parcours comme l'équivalent d'un cursus présentiel, comme un bac plus 3, un bac plus 5, mais plutôt comme des micro-spécialisations qu'on va assembler, comme des pièces de puzzle qui vont constituer un petit peu notre personnalité et notre savoir-faire et notre savoir-être. Ça se constitue à partir de là. Et je pense que c'est l'évolution de la formation. Une des clés, c'est d'arrêter de considérer la formation comme un silo à la fin duquel on a un diplôme, et c'est plutôt aller micro-diplômer progressivement sur des spécialisations, sur des morceaux de compétences en fait. On va valider un certain morceau de compétences, mais seul, ça ne suffit pas. Il va falloir en faire deux, trois, quatre autres. Et en fait, c'est à l'individu d'aller chercher ces morceaux de compétences qui lui conviennent. Ceux qui lui parlent le plus, ceux vers lesquels l'individu sent qu'il est appelé à travailler. Je pense que c'est essentiel. D'ailleurs, on peut imaginer que c'est aussi la richesse du contenu Open Classroom qui induit le fait qu'il y ait des parcours, parce qu'en fait, vous avez aujourd'hui En une fait, offre qui est il y a énorme. eu deux histoires dans Open Classrooms. La première histoire, c'est on avait 1000 cours en ligne et à force, ça avait du sens de dire, tiens, fais le cours A, B, C, D. Et donc, on a créé les parcours à partir des cours existants. Aujourd'hui, on fait la démarche inverse. On est en train de construire des parcours métiers par rapport en disant, voilà, ça, c'est un ensemble de compétences qu'on a besoin d'enseigner. Quels cours on doit créer par rapport à ça et quels projets et quelles pratiques on doit faire faire aux gens. Une fois qu'on a constitué cette spécialisation, qu'on appelle chez nous parcours métier, eh bien on peut en constituer d'autres et l'individu les assemble comme il veut. Donc il y a un mélange en fait d'ultra-personnalisation, mais qui se fait à un autre niveau. L'ultra-personnalisation se fait au niveau d'un gros morceau de enfin, d'un ensemble de compétences et pas au niveau du cours lui-même. Dans l'ensemble de compétences, là c'est directif, tandis que les ensembles de compétences eux-mêmes, les parcours métiers, peuvent être assemblés presque dans l'ordre qu'on veut. Est-ce que les parcours sont freemium ou premium? Les parcours sont premium. Oui, ce qu'on peut En comprendre, fait, c'est. on situe, c'est toute la question du business model, hein, il y a plein de façons de l'envisager. Les cours sont gratuits, donc vous pouvez commencer à prendre n'importe quel cours à n'importe quel moment, c'est sans problème. Mais à partir du moment où vous avez besoin de conseils en structuration, en assemblage, c'est là que les services premium prennent le relais.
je simplifie, mais l'idée est là et c'est la tendance en fait qu'on voit sur le marché. C'est là où il y a de la valeur ajoutée. On va faire encore plus de valeur ajoutée au moment où on va conseiller à l'étudiant les différents éléments et où on va mentorer l'étudiant. Ça aussi, c'est du premium. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas finalement trois types d'entrées, indépendamment de l'offre qui est gigantesque, qui est tu peux regarder tous les cours que tu veux en texte. Si tu veux voir les vidéos, il faut que tu prennes un profil. Donc, ça sous-entend de renseigner qui on est. C'est un petit peu ce qu'on fait actuellement. Oui, c'est ça. Et en troisième, on a, après justement, le fait d'avoir un profil, on a le premium. En fait, on le situe au niveau de l'engagement. On veut que n'importe… Enfin, c'est le principe du freemium de façon générale. C'est n'importe qui peut commencer gratuitement et doit prendre du plaisir et doit pouvoir avancer gratuitement. À partir du moment où la personne a besoin, devient plus spécialisée ou avance un peu plus ou a besoin de mentorat, elle est déjà très engagée dans la plateforme. Et c'est à ce moment-là que ça fait du sens de lui proposer de payer. Si on lui propose de payer dès l'entrée, oui, on aurait beaucoup moins de monde et beaucoup moins de succès. Donc, on préfère avoir 90-95% de gens qui ne paient pas et qui apprennent et qui sont très contents comme ça. Et les 5-10% qui ont besoin de conseils et d'ultra-personnalisation, eux, on va faire beaucoup d'efforts pour les aider à aller jusqu'au bout de leur formation. C'est donc en fait la gratuité qui vous a fait connaître et qui vous permet aujourd'hui, avec le nombre, d'avoir une part, même si elle n'est pas très importante, de premium, mais qui évidemment rentre… C'est le modèle étonnant du freemium en fait. Plus on fait de gratuit, plus on peut vendre. Plus on fait de l'argent potentiellement. Ah, ouais. Mais c'est encourageant en même temps. Ouais. Alors, ce que tu appelles les mentors, les mentors ne sont pas nécessairement des salariés. On n'a pas de personnes ici qui font du mentorat. Moi, j'en ai fait un petit peu pour expérimenter. Mais ce sont d'abord des individus qui sont dans des entreprises et qui ont déjà un parcours professionnel au quotidien et donc qui sont au plus près du besoin professionnel. Est-ce que vous les validez? Oui. Oui. Systématiquement, un par un. J'en valide un cet après-midi, par exemple. Donc là, c'est… Et tu le valides comment? On fait comme ça. En présentiel? Plutôt par visioconférence. OK. Parce que le mentorat, c'est par visioconférence. Donc là, ça permet de voir un petit peu l'environnement de la personne, sa façon de s'exprimer, de valider les compétences. Ça suffit en quelques minutes déjà d'avoir une très bonne idée si la personne va être un mentor efficace ou pas. Ensuite, on fait une période de formation. Une fois que la personne est validée. Ah, le mentor est formé. Le mentor est formé. On a tout un ensemble de documents et d'accompagnement par des mentors plus expérimentés qui lui permet d'être prêt ensuite seulement à mentorer des gens sur Open Classrooms. Donc, on a tout un processus qui se crée en fait là-dessus. Et le mentor n'est pas nécessairement rémunéré? Le mentor est rémunéré systématiquement. Ah, le mentor est rémunéré. En fait, l'élève paie Open Classrooms pour être accompagné sur les cours sur le site. Et nous, on associe un mentor adapté à l'élève en fonction de son niveau et en fonction de son besoin. Et en fonction aussi c'est presque du one-to-one. C'est du one-to-one, c'est du privé en visioconférence. Je ne suis pas les gens en direct, nous en interne. Oui, vous on l'organisez. On fait le logiciel et tous les outils qui vont aider à faire ça. Et on fait l'accompagnement pédagogique des auteurs qui créent les cours. Par contre, sur le mentorat, on va valider les gens, valider les mentors. Et ensuite, les mentors sont autonomes avec les élèves. Volontairement, on ne met pas trop le pied dedans, on ne s'immisce pas trop dans la relation entre le mentor et l'élève. Une fois que ça a été connecté et qu'on voit qu'il y a une bonne connexion entre les deux, on laisse le mentor et l'élève fonctionner exactement comme ils veulent. Est-ce que les étudiants évaluent les mentors? Est-ce que les étudiants évaluent les mentors? Pas de façon formelle, mais ils peuvent demander à changer de mentor à tout moment. Okay. Tout comme le mentor peut demander à changer d'élève à tout moment. Ça change souvent? Assez peu. Okay. On n'a quasiment jamais eu de problème qui fait qu'un mentor ne connectait pas bien avec un élève. C'est étonnant d'ailleurs. Mais c'est vraiment à la demande. Et souvent, quand ça change de mentor, la vraie raison, c'est parce que le mentor ne peut plus suivre l'élève. Genre l'élève a atteint un certain niveau de compétence et ensuite, il a besoin d'autres niveaux de compétences, peut-être plus avancés ou différents. Ouais. Et le mentor dit « Ah, ça, c'est pas trop mon domaine. Bon, mais attends, je vais voir avec Open Classroom parce qu'on va chercher un nouveau mentor adapté à ton besoin. » Et hop, ils viennent de connecter un nouveau mentor. Alors, en général, un mentor suit un élève en privé en continu pendant 1 à 6-8 mois. Et au bout d'un moment, on passe à un autre mentor qui va suivre en continu pendant plusieurs mois. Leur échange, il n'est évidemment pas nécessairement présentiel. Il peut être SMS, il peut être téléphone, il peut être visioconférence. C'est souvent de la visioconférence. Ouais, genre Skype. On essaie, voilà. C'est arrivé de le faire par chat, un peu par mail, mais le gros se fait par visioconférence, exprès justement pour créer cette relation humaine et de proximité qui crée plus d'engagement et plus de rétention. Si les gens ont envie d'apprendre plus longtemps et sont plus contents quand ils connaissent la personne et qu'ils créent une vraie relation.